On a improvisé une petite activité. On a pris des boîtes d'œufs vides. On a des pompons. Et sur une feuille blanche, du même gabarit que la boîte d'œufs, donc j'ai pris deux tailles différentes. Ici, c'est pour elle a 2 ans et demi. Et celle-ci, donc elle va avoir 5 ans. Donc en fait, l'idée, c'est de... Oui, tu peux continuer. L'idée, c'est qu'elle respecte donc l'ordre des couleurs que je lui ai mis sur la feuille blanche et qu'elle le reproduise avec les pompons dans les petits trous de la boîte d'œufs vide. Donc, ça lui permet de faire la symétrie, de travailler un petit peu la symétrie, les couleurs et la manipulation de petits objets. Voilà, c'est à portée de main, vraiment. Tout ce que j'ai là, vous pouvez l'avoir à la maison. Mis à part les pompons qu'il faut, il faut avoir des pompons. Alors, si vous n'avez pas de pompons, vous pouvez utiliser d'autres types d'objets de petite taille. Et voilà, maman.